Et bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Vous étiez le dealer du Tout Paris. Mais qui êtes-vous vraiment Est-ce que vous ah. pouvez vous présenter à nos, nos auditeurs Qui je suis vraiment Franchement, des fois, je ne sais pas. Je me dis, mais qui je suis Alors, parce que disons que ma vie, elle a été partagée en deux. Alors, la première vie, c'était avec le diable. J'ai fait sans le savoir, euh, dès l'âge de 5 ans déjà, hein, j'ai fait sans le savoir un pacte avec le diable. Et j'étais diabolique, mais vraiment diabolique. Moi-même, quand j'y pense, quand je pense à ce que j'ai pu faire dans le passé, je me dis mais comment on peut être comme ça et devenir comme ça Maintenant, je pense avoir fait euh, un pacte avec le, le bon Dieu. Ou, ou alors, oui, je suis revenu dans la normale. Hein. Normalement, on n'est pas né pour être diabolique, pour être méchant. Et voilà, donc là, ben, je suis tout à fait maintenant du côté du bon Dieu. Et voilà, c'est un peu ce que je suis aujourd'hui. Euh, après, euh, évidemment, euh, j'ai quand même gardé quelques séquelles de, de mon pacte avec le diable. C'est-à-dire que mon, mon caractère, euh, faut pas trop me, me marcher sur les pieds, il faut pas trop manquer de respect, parce que là, je peux euh, retrouver mes mauvais instincts. Et vite, en plus. Je suis un peu comme Poutine, moi. C'est des rapidos, on discute pas, bim, bam, boum. Voilà. Alors, qui je suis ben, Maintenant, je peux dire que je suis un type bien. Voilà. Réinséré, euh, plus de trafic, plus de saloperie, plus rien. Euh, au contraire. J'incite les gens, beaucoup, euh, ceux qui m'écoutent en tout cas, à ne pas prendre de cocaïne, à faire très attention, parce que oui, euh, on s'amuse un petit moment, euh, on va épater les copains, on va épater les nanas et tout, et tout, puis après on se retrouve comme ça, perchés comme des cons, euh, tout ça pour un petit moment de plaisir. Les gens ne se rendent pas compte, mais on leur vend, on leur vend du poison. Mais moi je dis bien poison, je parle de la cocaïne trafiquée, coupée, recoupée et tout, c'est du poison. Et donc, je mets vertu aujourd'hui à faire comprendre aux jeunes qu'il faut qu'ils fassent très attention. Ils ont toute une vie à vivre, d'accord. Ils ont besoin de leur cerveau pendant leur vie, sinon ils vont être euh, comme ça, un peu gaga. Et, et, et ça ça peut être à cause d'une petite ligne de cocaïne à la con et voilà tout bête ou tout, tout con j'en ai vu plein les prisons moi des mecs qui sont hyper perchés sur une petite branche ou sur un nuage et c'est fini et leur vie ça va être ça sur un petit nuage ils vont être des assistés, des boulets de la société et tout tout ça parce qu'ils ont eu le malheur ou la bêtise ou la mauvaise idée de, 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 de prendre une petite ligne d'un connard qui, qui vend n'importe quoi, euh, qui met du poison dedans. voilà. c'est Moi, je dis, franchement, moi, je serais président de la République. Le mec qui coupe mal de la coque et qui la revend, ou qui vend des salles au prix de drogue, c'est peine de mort pour moi. Moi, je suis fier d'avoir vendu de la cocaïne pure, pure. Jamais de mélange, que du bien. Et bon, euh, la preuve est là que je suis toujours là, à mon âge, tout va bien. Hein. Donc, euh, c'est vrai que c'est une drogue, mais euh, on l'a diabolisé à outrance, à outrance. Et c'est ça que j'aime pas. Vous regrettez, mais en même temps, vous êtes fier. C'est quand même paradoxal. Ben, paradoxal, euh, non Pourquoi paradoxal Je suis fier d'avoir. Euh... Participer, parce que je l'ai dit à mon juge d'instruction, mais tout le monde rigole. Moi, je, dis, je lui ai dit, madame, quand elle m'a dit, euh, vous allez vous excuser auprès de certaines personnes. Euh, que... Les victimes d'overdose le Victimes bah, d'overdose, il n'y en a pas eu vraiment. Hein, non, les victimes d'overdose en France, dans le clan Chirac, dans le clan de tous ces gens-là, comme je l'ai dit, moi, j'ai dit, madame, moi, de toute façon, ma cocaïne, je la vends pas à la sortie des écoles, je la vends à la sortie des ministères. D'accord Sorti de l'Assemblée la, de, de nationale, du Sénat, etc., etc. Donc, ce sont des gens majeurs et hyper vaccinés, d'accord Ou vaccinés avec des bons vaccins, hein, je précise. On rappelle qu'il est interdit de, donc, de faire la promotion de, de, de tout ce qui est drogue. Effectivement, pardon. Je ne fais pas français. la promotion. Euh, selon la tradition de l'émission, nous allons commencer cet entretien par une citation, cette fois, du film Les Affranchis de Martin Scorsese. Je cite. Jamais balancer les copains et toujours fermer son clapet Très juste, très juste. C'est ce qui m'a permis de vivre jusqu'à présent et de continuer à vivre tranquillement. Je n'ai jamais balancé. Alors, les gens qui disent oui, ils balancent. Mais non, je balance pas, j'informe. On balance son ami. On, si, on, si on parle de son âme, par exemple, à chaque fois que je tombe, je suis tombé huit fois en France, euh, si, si j'avais parlé de, de gens, là j'aurais pu dire j'ai balancé. Mais moi, tout le peut le dire, tous les magistrats de, de France me connaissent, ils peuvent dire que moi, quand je suis devant un tribunal, bouche fermée, bouche cousue, c'est tout. Je donne mon adresse, mon nom, voyez, et ça s'arrête là. Vous avez, non, je prends tout sur moi. Et c'est pour ça que je me suis pris des peines de 15 ans, de 10 ans, parce que bah, j'assume, c'est tout. Pourquoi on va balancer le copain qui avec qui on a fait des affaires, on était bien, et puis tout d'un coup, ah ben non, c'est pas moi, madame, c'est lui. Non, ça, ça va pas. Ça, c'est de la balance. Et je, et je dans mon tome 4, je vais parler des grosses balances de France, des voyous d'apparat. Je vais en parler. Voilà. Ça, je vais parler de vraies balances. Des mecs qui ont envoyé des mecs en prison. Moi, j'ai jamais envoyé personne en prison. C'est plutôt les gens qui m'ont envoyé moi en prison. Qu'un seul mec me dise, ose dire, là, en France, oui, Gérard, il m'a balancé. Je voudrais bien voir. Ça n'existe pas. Voilà. Fermez son clapet, mais ça me paraît évident plus on l'ouvre et plus on, pr on prend des années. Et ils sont bêtes, les gens. Ils, ils pensent que quand ils sont devant un juge ou devant les flics, « Ah oui, mais lui, euh, mais si, mais là, mais oui, lui, je sais, ils vont... » Non, ça, ça marche pas. Les flics, ils se foutent leur gueule. Ils « Vas-y, cause toujours, mon lapin. Après, tu vas morfler. » Ah ben, bien sûr, c'est normal. Le mec, qui s'embrouille, il commence à ouvrir son clapet, comme tu dis. Et euh, ben après, ben, les flics, ils lui disent « Maintenant, ton clapet, tu vas l'ouvrir, tu vas l'ouvrir, tu vas tout nous dire. » Et puis, ça va rien changer à sa peine de prison. Et après, ce qui va changer, c'est en prison qu'il va se faire massacrer. Moi, en prison, je suis désolé, on m'a mis le tapis rouge. Et à chaque fois que je rentre en prison, c'était tapis rouge. Surtout en 86. Ils m'attendaient, les mecs. Ouais, j y, j y, bravo acclamation de partout, même les surveillants. Et à chaque fois que je rentre en prison, moi, les surveillants ils me respectent tous. Pour ça, j'ai jamais eu de problème, moi, en prison. Parce que je ne suis pas une balance. Et je ferme mon clapet. C'est ça. C'est ça la règle tu veux gagner de l'argent d'accord mais tu assumes tu prends tes risques quand ça va mal quand ça va bien ah ils sont tous là quand ça va bien quand ça va mal c'est la séparation et vas-y qu'on s'insulte, qu'on se tape dessus mais là là non. ça ça marche pas avec moi, bon, moi mes dossiers sont propres propres mais les juges ils m'apprécient pour ça justement vous l'aurez compris donc durant cet entretien nous avons évoqué votre parcours mouvementé c'est le mot qu'on puisse dire entre les politiques comme jacques chirac les stars comme johnny hallyday c'est vous qui le dites la prison les évasions la drogue et aussi les barbouzeries avec Charles Pascoin. Ouais. J'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs et contributeurs. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à commenter, liker, partager cette vidéo, c'est très important, vous le savez, pour le référencement. Et le mois de juin a été vraiment sensationnel, donc on continue comme ça. Après vos trois livres publiés, Gérard Fauret, euh, donc vous avez publié quatre. Déjà Il y avait trois. le Fatale Confiance euh, sur Amazon, avant tout. Euh, le vos trois livres donc, qui ont été publiés donc, par un éditeur, donc, le dealer du Tout Paris, ouais. le Prince de la Coque et l'éducation d'un voyou, vous n'avez jamais été inquiété par vos anciens amis Oh non, pas du tout, au contraire. Au contraire, ils il cherchent à me revoir et tout, non, non, jamais. Pourquoi je serais inquiété Parce que vous parlez. Mais je parle... Alors on parle de qui J'ai jamais parlé de mes amis. D'ailleurs, j'en ai eu si peu que je n'ai jamais parlé de mes amis. Moi, tous les gens que j'ai... Allez, on va dire balancer, si ça, si ça peut faire mmh. plaisir. Ce n'étaient pas mes amis. C'étaient des clients. Et des clients que je n'aimais pas à la base. Je n'ai jamais pu aimer, moi, Johnny, quand je le voyais dans, dans l'état où il était... Où... Mais vous ne parlez pas que de vos clients. Claude vous parlez de, de, de Francis Lebelge de... Francis Lebelge n'a jamais été mon ami. Non, non, non. Ça a, mon ça, non. ça a été mon client. Ça a été mon client. Il n'a jamais été mon ami. Le gars en pas non plus. J'étais associé avec lui sur la Hollande, Belgique, Allemagne, pas en France. Donc je précise bien pour les gens qui croient que moi j'ai fait euh, toute ma vie criminelle en France. Non. Moi je suis un J'ai été un voyou international, d'accord. Ça commençait au Maroc, puis Marbella, la Hollande, tout ça. International, donc je ne restais jamais en place. Je ne suis pas comme ces voyous-là qui restent en place, qui, dirigent, qui, qui, qui font la mafia ici dans des quartiers et tout avec l'aide de la police, je précise. D'accord Et euh, moi, je suis pas comme ça. On me dit, ouais, à Marseille. Mais à Marseille, moi, je, je, je suis allé deux ou trois fois pour voir de temps en pas dans sa ferme. Mais la ville de Marseille, je la connais même pas. Maintenant, je la connais. Je suis allé visiter. Mais avant, à Marseille, j'ai jamais fait ma mafia quelque part en France. Non, non, non. Moi, j'habitais en Hollande. Et... On m'a appelé, j'ai besoin de 5 kilos d'héroïne, je l'ai emmené le lendemain ici, à Paris ou ailleurs, et point barre. Et c'est comme ça que j'ai vécu. J'ai allé chercher du shit en Espagne, boum, je l'ai ici, etc. J'étais un voyou libre et sans aller, domicile fixe, euh, SDF presque. J'avais des maisons partout, mais j'étais SDF. On ne pouvait pas me donner une adresse en France, par exemple. Donc je n'ai jamais été en place en France qu'on se le dise bien, parce qu'il y a des gens qui ouais mais nous en Marseille on ne connaît pas. Mais non, vous ne me connaissez pas, c'est normal. J'ai jamais vécu à Marseille, j'ai jamais exercé à Marseille. Non, moi c'est quand j'allais à Marseille c'était pour voir Gars et temps en pas, pour lui parler de nos affaires en Hollande, en Allemagne, en Belgique. On avait des vitrines, on avait des héros Gars et temps en pas était un homme très avisé. Je l'appelais le Napoléon du du crime, euh, Gaëtan en pas. C'était un mec qui connaissait la vie de Napoléon par cœur et il suivait un peu. Et bon, on a fait des erreurs, c'est sûr, de grosses erreurs. Et voilà, mais parce qu'on a sous-estimé les Hollandais, et tout ça. Euh, voilà, on les a trop sous-estimés. Mais voilà, donc euh, je suis un voyou international, ça existe. C'est quoi le grand banditisme maintenant Comment, quel regard vous portez <laughs> sur le grand banditisme Zéro. Il y a pas, il y a. Le grand banditisme, c'est quand on... Évidemment, je fais partie du grand banditisme. Ça, c'est quand je braquais. Ça, c'était du banditisme. D'accord Aujourd'hui, c'est plus du banditisme. Aujourd'hui, c'est... Je trouve même pas un nom pour qualifier ça. C'est tout et n'importe quoi. C'est le business. C'est le business. Le grand banditisme, avant, c'est quand on avait une paire de couilles comme ça, qu'on prenait une mitraillette, comme j'ai fait en Hollande ou en Espagne et qu'on allait braquer des appart-hôtels, des banques, des bijouteries. Ça, c'était du grand banditisme, parce qu'on mettait nos couilles en face. Voilà, on pouvait se faire sauter d'un moment à l'autre, et puis quand on se faisait choper, on se prenait des années. Ça, c'était le grand banditisme, c'était des hommes d'honneur, des hommes de parole. Il n'y en a plus. Moi, je n'en trouve plus, je suis désolé. Si j'ai un ami encore, c'est un homme d'honneur, mais voilà, c'est tout, il n'en reste plus. Ça, c'était le grand banditisme. Euh, le terme n'est pas applicable aujourd'hui à ce qu'on a. Aujourd'hui, c'est des trafiquants en de tout genre, euh, des commerçants. Euh. Bon, Après, il y a, je sais qu'il y a des grands band bandits encore en France, mais je ne les connais pas. Je sais qu'il y en a qui ont encore des, des paires de couilles comme ça et qui, euh, qui se risquent. Voilà. Toujours des grands trafiquants de drogue, justement, dans les cités, notamment. Oui, oui, il y en a, oui, il y en a, bien sûr. Je sais, je sais qu'il y en a, c'est sûr. J'en, connais quelques-uns aussi. Mais euh, oui, c'est des commerçants. C'est plus, plus des, des gens qui ont grandi, euh, comment dirais-je, avec euh, ce système qu'on avait nous, le code d'honneur, le respect, la parole donnée, la ponctualité. C'est fini tout ça. Les mecs, ils font tout et n'importe quoi. Et... Moi, je me retrouve pas dans ce dans ce, dans ce monde-là du banditisme. Je me retrouve pas. Ben, tant mieux d'ailleurs, tant mieux. J'en suis sorti euh, haut la main. Euh, voilà. J'écris mes bouquins, je fais mes poèmes, je fais des slams en musique sur mon site officiel euh, GérardFort.com. Je me fais un peu de pub, non Et tout. Et voilà. Je vis tranquille. J'ai plus besoin de tout ça, moi. J'ai plus, j'ai rien à prouver. Alors, avant, si si on veut, avant, il y avait au départ euh, que les, les gens voulaient prouver qu'ils étaient des voyous et tout. Ils faisaient des trucs impossibles, comme. Euh, euh, comment s'appelait celui-là au Casse de Nice, là Spadjari. Euh, Spadjari, ils faisaient des trucs impossibles et tout. Aujourd'hui, c'est fini. Avant, c'était un peu, un peu du cirque. C'est -ce maîtres... impossible maintenant de braquer des banques Il n'y oh, bah, a plus rien à prendre dans les banques. Qu'est-ce qu'on va prendre Qu'est-ce qu'on va prendre Il n'y a plus rien. Les bijouteries, c'est pareil. Les bijouteries, moi, je l'ai toujours dit, ça a été de la combine. Faut pas, faut pas rêver. Le mec qui rentre dans une bijouterie comme Bruno Sulac, qui rentre en tenue de, c'était quoi, de, de, de tennisman, il rentre tranquille et il braque. Ah, moi, je le connaissais bien, Bruno Sulac. Il avait des accords avec des, des, des bijoutiers qui n'arrivaient pas à vendre leurs bijoux. Euh, on lui vole, et il touche l'assurance et puis. Ils reprennent les mêmes bijoux, le, le bijoutier il reprend les mêmes bijoux à, à moins cher, il les retouche et tout, et voilà, c'est des combines tout ça. Il ne <laughs> faut pas être en extase devant ces gens. Mais moi, comme en Hollande, j'ai fait un super braquage, un, un transport de, de fond, j'étais d'accord avec le, les chauffeurs et tout. Bon, après, euh, mes collègues, ils n'avaient peut-être pas compris que, que j'étais d'accord parce qu'ils ont commencé à tirer à la mitraillette, là. Jean Gilbert, il est mort, heureusement c'est un fou furieux. Mais voilà, donc il euh, y avait des, des combines entre, il euh, ne faut pas croire, euh, moi à part l'idée euh, euh, au Chiennier, là, euh, avant, j'avais euh, des, des, des bijoutiers qui me demandaient de venir les braquer. C'est simple. Il y a une bijoutier là-bas qui a été braquée trois fois, toujours par les mêmes et toujours en accord avec le patron, le propriétaire. C'est ça aujourd'hui, c'est combine sur combine d'ailleurs. Dans les hautes sphères, c'est pareil, c'est que de la combine, que de la combine, sur le dos des, des, des citoyens lambda, sur le... voilà, c'est combiné, après on dit, avant oui, avant, braquer une bijouterie, bah, je me suis fait choper à Madrid, j'ai fait un an de prison, c'était pas énorme, mais euh, braquer une bijouterie ou un appart hôtel, il y avait du pognon dans les, dans les appart hôtels, on prenait les, les casiers et tout, bourré d'oseille et tout. Pfff. Les Allemands, les Suisses, il y avait des devises, bah, on ne savait plus où les mettre. Ça, c'était des couilles, parce que si on se faisait choper par la guardia civile, pfiou, alors la vie, était, la vie se terminait là. Les, les, la garde civile. Euh, pff, sous Franco en plus. Hein Sous Franco en plus. Sous Franco, oh là là. Ben ça, ça, là, il fallait avoir une paire de couilles, mais énorme. On l'a fait. Mais, mais j'étais avec les mecs de l'OS et un peu les mecs de Pasqua aussi, du SAC. On se croyait plus ou moins protégé par Pasqua, mais non. Quand ça s'est mal passé, eh ben ça s'est mal passé. Pasqua, il n'est pas intervenu. Justement, revenons sur, sur cette époque vous avez travaillé donc pour Charles Pasqua. Euh, ce que nos auditeurs ignorent peut-être, euh, qu'est-ce que c'était le, le sac Alors le sac, c'est le, le, le service d'action civique. Ouais. Et comme je l'ai dit, pour l'action ils étaient là, mais pour le civisme. Il n'y avait plus personne. C'est des mecs qui tapaient, qui tiraient, qui... Des, des fous furieux. C'était les gros bras du, du Parti gaulliste. Oui, fait. oui, c'était les gros bras. Ben, on, on frappait les afficheurs, on frappait les communistes, les socialistes. Les grévistes. Euh, on s'en donnait un quart ouais. joie. Oui, les grévistes aussi, on leur tombait dessus. Mais, euh, Vous ne faisiez moi, pas, que... Que, pas que ça. Vous faisiez aussi des bah, casques. Il y, eu... bah, y a aussi des... On a dû déquiller quelques, quelques basses quand même. Bah, Il faisait chier. Moi, au début, j'étais pas très chaud pour ça. On m'avait déjà proposé en Espagne. Et puis, euh, il s'est trouvé un truc euh, à Marbella. Et là, ça a déclenché quelque chose en moi, une espèce de révolte, anti-basque, bien sûr. Déjà, le fait que j'ai rencontré des connards en prison, euh, de basque, vraiment des saloperies. Mais ils ont fini avec des, des coups de rasoir sur tout le visage. Il hein, n'y avait plus... Tu ne voyais plus euh, la peau. Tu ne voyais que des coups. On leur a... Raser la tête avec des rasoirs, bah bah bah, un massacre, un massacre. Parce que c'était des, des fripouilles et ils et, et le sont encore. Hein, les, les Basques, moi, je les aime pas. Et donc, euh, mais, mais pas toute la population basque. on on peut pas prendre toute une ah oui, population c est, c est en otage. Il faut oui, pas oui, déconner. Mais euh, je parle des voyous, les des indépendantistes. Les, des indépendantistes. Bon, s'ils ont envie d'être indépendants, c'est pas mon problème. C'est leur problème. Mais euh, ce est de foutre des bombes comme ça. Moi, j'ai failli sauter sur une bombe à Marbella. Ils les mettaient sur la plage. Alors quoi Ça veut dire quoi ça Pourquoi Pourquoi tuer des innocents, des touristes qui viennent de passer un, deux ou trois semaines là-bas, et boum, ils explosent C'est quoi Ça veut dire C'est ça leur petite guéguerre Et là, je suis rentré, j'ai dit allez, hop, s'il y en a à faire, j'en fais. Tu t'es énervé Bah ben oui, je me suis énervé. C'est normal parce que déjà, à cause de ça, il y avait des contrôles sur euh, sur la route. Et moi, j'avais 5 kilos de shit caché sous ma Mercedes. J'ai été arrêté, j'ai payé, mon m'ont pris le shit et tout. J'ai failli aller en prison. À l'époque, j'ai payé cher pour ne, ne pas aller en prison. Vite fait. À cause des Basques. Vous avez fait quoi concrètement et sous les ordres de qui sur les ordres de Pasqua, évidemment. C'était le seul. Le... Pour moi, c'est le seul homme couillu qu'il a eu en France. Voilà. Vous avez fait quoi, donc vous... ah ben, on, nous a des... on nous a donné quelques adresses. Et il y avait quelques mecs à, à les guider, c'est tout. Moi, j'y allais avec deux potes. Euh... voilà. Des fois, il y avait la logistique. Des fois, c'est moi qui conduisais. Des fois, c'est moi qui prenais le truc. Parce que j'étais quand même un tireur d'élite dans l'armée française. Donc, euh... Puis, ça me faisait plaisir. Hein. Pas... Je ne peux pas dire le contraire. Ça me faisait un immense plaisir. D'en déquiller de, de deux ou trois, quand même. Ça me faisait plaisir. Les Corses, un peu moins, parce que quand même, je, je compatissais à, à leur combat et tout. Et, quand Pascal qu me disait bah tu vois... Euh, non, je dis Non, non, moi, je ne touche pas aux Corses. Ce n'est pas mon domaine, ils ne m'ont rien fait. Par contre, les, oui, les Basques, on peut y aller. Voilà. Après, il euh, n'y a pas longtemps, ils m'ont demandé si je pouvais venir là-bas faire un truc pour la radio. Je dis, mais vous croyez quoi, là Je me taper 1000 km pour vous faire une émission Pas bien. Venez ici. C'était peut-être un piège. <laughs> J'ai bien fait de ne pas y aller. Les Basques, on ne peut pas se fier à ces gens-là. Ils ont leur... leur comment dirais-je Leur petite guéguerre avec l'État espagnol. Mais moi, ça, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Moi, je ne rentre pas dans ces histoires. Mais je suis rentré, je le dis et je le répète, parce qu'ils m'ont fait... Euh, à moi, euh, ils m'ont fait chier, voilà. Marbella. Justement aussi, donc, le, le sac de Charles Pasqua, vous demandez également de, de braquer des banques. Ah oui, ça, mais... Euh, le cas d'Amsterdam, oh putain Pff, c est, c est, c est, c est... Oui, Pasqua, il avait des hommes, euh, ou des femmes, de main, qui... Euh, Vivait en Hollande, par exemple, je prends le cas de la Hollande, une très très jolie femme, une pute probablement, elle était un peu tout ça, qui euh, <coughs> draguait des, des directeurs de banque. D'accord Et après, elle s'arrangeait pour les mettre en tort et tout, les, les faire chanter et tout, et tout, et tout. Et, tout. et euh, obtenir les clés de la banque, les systèmes d'alarme et tout. Et donc là, moi, je me suis retrouvé dans le cas d'Amsterdam, ça aurait été. Si ça avait marché, ça aurait été le plus beau casse de toute l'histoire du monde. Il y avait des milliards dedans. C'était dans un quartier très huppé. Les gens, quand ils déposaient des bijoux, des oh, alors il y avait un pognon de malades, de malades de fou. Savait... Et nous, on est rentrés dedans, et quand on est sorti, tout le monde nous attendait, même la police française, il faut le faire. Et moi, je n'ai pas, pas été en prison. Attention! On m'a arrêté, les Hollandais, ils étaient morts de rire. Et les, Par contre, les Français qui étaient avec moi, c'était des anciens du gang des Postiches. Il y en a un, il a pris 20 ans, il s'est suicidé en prison, l'autre, il a pris 6 euh, ans, et d'autres trucs, plein d'histoires. Euh, Pascal n'a rien fait pour ça. Il n'est pas intervenu. C'est lui qui, à travers et cette nana-là qui travaillait pour lui, c'est lui qui nous dirigeait. Il disait, ouais, vous pouvez y aller, il euh, ta, 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 y aura pas de problème. Putain. Il n'y a pas de problème. Non, après, on va dire, c'est quand même la faute des mecs qui travaillaient avec moi. Il y avait Jeannot Legal, il y avait euh, Grégory, je ne sais plus comment, et il y avait un autre, un troisième, euh, Paula. Et donc, <coughs> eux, ils ont fait les cons. Ils ont fait les cons, et euh, déjà, moi, bon, eux, ils étaient à Paris, moi, j'habitais à Rotterdam leur dit bon on se trouve à Amsterdam, d'accord. Ils prennent un hôtel, c'est l'hôtel qui avait qui appartenait au marquis de je sais plus quoi, qui avait qui venait d'être libéré par une équipe de Français qui l'avait séquestré pendant le marquis de putain merde. Et cet hôtel appartenait... donc ils étaient sur les dents les les, les, les employés de l'hôtel quand ils voient deux Français qui arrivent. Jeannot Le Gall et Grégory, avec des tranches pas possibles. Déjà, des tranches de de, 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 à être derrière les barreaux, quoi. Des, de voyous, mais... Voilà. Les mecs, les réceptionnistes, ils appellent les flics. C'est simple. C'était l'hôtel 5 étoiles d'Amsterdam et tout. Les mecs, ils arrivent, ah, on peut avoir une chambre et tout. Et voilà. Voilà. Mais non, putain, je leur ai dit, n'allez pas dans les hôtels, venez dormir chez moi. Non, messieurs, ils ont voulu se payer un 5 étoiles et tout. Quand moi je suis arrivé pour les rencontrer, il y avait des hélicoptères dans le ciel. Il y avait. Alors, tous les touristes qu'il y avait, c'était des flics. Ils étaient tous là, habillés en touristes, avec euh, des, des appareils photos et tout. Ils étaient. Il y avait. oh là là, il y a du monde, ça grouille ici. Et moi, alors j'ai laissé ma voiture en bas. Ils me l'ont balisé pendant que j'étais dans, euh, dans l'hôtel. Voilà, un travail bien fait. Et après, bon, on est sorti de l'hôtel. On est allé dans un autre hôtel euh, que je pensais un peu tranquille ben non euh, quand, pendant qu'on discutait je vois dehors une voiture avec quatre flics dedans deux hollandais ça je les ai reconnus, et deux français ça c'est la tranche d'un flic français ça. et euh, je leur dis attention les mecs il y a quatre flics là dehors, dans une voiture qui nous surveille mais non arrête t'es parano tu prends trop de coke ok voilà et bien, ça a terminé que finalement, euh, ils ont cru que, que, que c'était facile comme tout, qu'il y avait juste à entrer dans la banque, prendre et s'en aller. Ben bah oui, mais quand on est sorti de la banque, il y avait euh, 200 policiers, il y avait des hélicoptères, il y avait tout le monde, menottes. Les Hollandais, j'ai fait 4 jours de garde à vue, ils m'ont lâché. Par contre, eux, ils ont pris des dizaines d'années, les deux autres, les Français. Pourquoi, pourquoi parce quoi vous faisiez-ils braquer les banques ah, ben pour de l'argent, pour le RPR, il, il fallait du pognon, la caisse noire, la fameuse caisse noire. C'était 50-50. 50 pour vous, 50 pour les caisses noires Oui, voilà, 50 pour nous, 50. Mais bon, ça n'a pas toujours marché, hein, l'attaque le, 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 de bijouterie de Madrid, on s'est fait avoir aussi. Hein. On a bouffé un an de prison quand même là-bas. Vous y rencontré Charles Bascois, non oui, moi bon, je l'ai rencontré, bien sûr. Ben oui, évidemment. Il était très intéressé par ma cocaïne en couleur. J'arrivais à faire de la cocaïne bleue, verte, rouge. Voilà, avec le chauffage et tout, j'y arrivais. Et lui, ça l'intéressait, mais il ne prenait, prenait pas de coque. Il était sobre comme mec. Par contre, gros trafiquant de c'était lui, hein, avec le roi Hassan II du Maroc. Et Chirac, euh, pff, il remplissait l'orchestre comme il fallait. Hein. Vous connaissez aussi une autre organisation secrète après l'ETA, euh, après donc, le SAC, c'est l'OAS. Euh, Secrète, elle a été en Algérie, mais plus en Europe. D'accord Alors moi, j'ai eu la chance de vivre à Marbella, à Torremolinos, à côté, Malaga. À euh, quand, euh, <coughs> quand ils ont débarqué, un peu plus tard, euh, dans, dans les années 65-66, ils sont, ils, sont, ils sont tous débarqués en. En... Au, début, au départ, ils étaient sur Alicante, benidorm tout ça. Puis après, ils sont venus vers le truc. Et moi, j'étais là, j'ai eu la chance de les rencontrer. C'était des vrais bonhommes. C'était des mecs couillus, comme on dit. Et bah, j'ai fait de très belles affaires avec eux, oui. Mais ça, c'était des hommes d'honneur. C'était vraiment des hommes formidables, formidables. Un peu frimeurs, parce qu'ils étaient tous mètre 1m90. C'était vraiment des gens très spéciaux. Mais c'était des mecs bien. Voilà, ils sont, je crois qu'ils sont tous morts. Le patron, il s'appelait Tasso. Alors, lui, c'est un vrai bonhomme. Hein. C'était lui qui dirigeait toute l'organisation en Algérie. Il fallait faire parce qu'en Algérie, quand même, hein, c'était bouillant hein, pour eux. Mais c'est des gens qui n'avaient pas peur et c'est des gens qui n'avaient plus rien à perdre. Ils ont perdu leur pays, l'Algérie. Et du coup, ben, ils se retournent en Europe. Euh, voilà, avec les couilles qu'ils avaient à l'époque, eux, pff, ils bouffaient tous les voyous français. Hein. Il n'y avait, avait pas de D'ailleurs, il y a plein de Niçois, il y a plein de Marseillais qui se sont heurtés euh, au mec de l'OAS et ils ont laissé des plumes. Hein. Ils sont repartis. Vous, à, quoi à comme à faire. Molinos, hein Vous avez fait quoi comme affaire avec donc, euh, ces gars de l'OAS bah, Les trucs d'armes déjà, ça, ça, ils en avaient des armes. Et les billets, l'argent, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore euh... Il n'y avait pas la drogue, en tout cas, ça c'est sûr. On avait, c'est en tout gens c'est aussi euh, des braquages. Ils ont fait partie de l'équipe de, de Pasqua il faut le dire. Hein. À Pasqua il est recruté avec plaisir. Parce que c'était des mecs aguerris. Aguerris. Vous avez fait donc 18 ans de prison, si je ne me trompe pas. Mmh. Au euh, total, mais vous, 14 vous... en France et 4 un petit peu partout. Vous faites aussi le récit dans, dans vos livres d'une évasion très spectaculaire, votre première en Espagne ouais. ah Oui, ça c'était quelque chose d'extraordinaire, cette évasion, franchement. Et, et ben, malheureusement, mon frère, il m'a balancé, hein, c'est ça le problème, il m'a balancé à son beau-père qui était le chef de la Guardia Civile en Espagne, on ne peut pas faire mieux. Général dans la Guardia Civile, c'était son beau-père, le, le père de sa femme. Alors ça a commencé à... Euh, quand j'avais 1000 kilos avec un, un Italien, avec la mafia italienne, on en avait 1000 kilos. Et mon frère m'a balancé, d'accord Et après le suivi, mon frère me continuait à venir me voir en prison régulièrement à la demande de son beau-père pour savoir si j'avais des mauvaises intentions et tout. Et moi, je l'ai bien eu parce que je lui ai dit écoute, Georges, il s'appelait mon frère. Il était consul de France là-bas sur la côte, lui, salopard. Et euh, je lui dis, écoute, euh, ton beau-père, il est général dans la Guardia Civile, propose-lui un deal. Il me dit, ah oui, quoi, quoi. Je lui dis, écoute, moi je connais des organisations de gros trafiquants, d'armes, d'argent, de, de, de drogue et tout. Tu lui dis, s'il si me fait sortir, je reste en Espagne sous surveillance et euh, je lui balance des, des organisations. Ah ouais, là, vous me proposez de balancer. Oui, mais c'est qu'une proposition, c'est pour me faire sortir de prison. Et donc, moi, mon intention, c'était de m'évader, bien sûr. Et j'avais tout mon plan déjà. Donc, euh, il me dit Ah ouais, c'est bien, je vais lui en parler. Il revient, il me dit Bah, il est d'accord. Donc, on me fait sortir de prison avec trois gardes civils sur le cul toute la journée, nuit et jour. Il dormait même devant la porte de chez moi. Je leur ai dit, écoutez, laissez-moi deux semaines le temps de me reprendre, parce que la prison, c'était mal à Malaga. Je dis, laissez-moi le temps de, de me refaire quoi, une santé, et on attaque. Donc, moi, j'allais à la plage tous les jours et tout. j'allais Les, les gardes civiles, ils étaient là à me surveiller. la Mais... plage en prison Non, là, je sors de prison. Vous sortiez... Je sors sous surveillance de prison. Et je connaissais la place de Torremolinos par cœur. Par cœur. Et je savais qu'il y avait un endroit, il y avait un hôtel qui s'appelait Hôtel Las Rocas, ça veut dire les rochers. Et sous cet hôtel, on pouvait y aller à la nage et on atterrissait dans le sous-sol de l'hôtel. Il avait été construit sur la roche. Et ça c'était extraordinaire. Seulement, il fallait avoir du souffle pour y aller en sous l'eau. Et donc, pendant une dizaine de jours, je me suis entraîné à faire du sous l'eau. Les gardes civiles qui me surveillaient bien, mais je sortais à chaque fois, ils étaient contents. Je faisais, je faisais, je faisais. Puis un jour, j'ai toujours gardé le même souffle, hein, je précise. Et j'allais, je rentre sous l'hôtel. Mais d'abord, je préviens par le biais de ma mère, puisque j'habitais avec ma mère. Je dis Maman, tu vas aller voir telle et telle femme, des petites françaises, des putes. Je dis Tu vas leur dire de, Voilà les clés de, de ma Mercedes. Voilà. La Mercedes, il ne l'avait pas saisie, heureusement. Je dis Tu vas leur dire de venir tel jour devant l'hôtel de la Solocas. Avec la voiture et quelques vêtements, parce que moi je suis sorti de sous l'eau en maillot. J'ai traversé l'hôtel en maillot, mais c'est normal pour les touristes. Et elle m'attendait là-bas, donc je pris la voiture. Boum, direction la France. Et donc c'est une très belle évasion, franchement, il faut le faire. J'arrive en France, mais j'arrive à la frontière et les Français, c'est eux qui me retiennent et qui me rendent aux Espagnols. Les Français. Tu te rends compte, Il y a mes, mes, mes compatriotes, mais on dit qu'à euh, l'époque, on faisait tout et n'importe quoi. Ils faisaient comme ils voulaient. Les... Il n'y avait pas de respect. Il y a des lois, mais ils ne les respectaient pas. Je dis, ils, ils savaient, voilà, et comment ils l'ont su, je ne sais pas, mais ils savaient que c'est peut-être les nanas qui m'ont balancé, que bon, c'est aussi mon erreur. Parce que moi, quand j'arrive là-bas en France, j'appelle ma mère. J'ai dit, maman, euh, euh, voilà, je suis là. Elle m'a dit, mais ah, c'est pas possible, mon fils, t'es mort. Les, les guerres civils m'ont dit que t'es mort. Ils ont fouillé toute la mer. Je dis, mais je suis pas mort. Je te dis, je suis en France. Et ça, ma mère était sur écoute. Tu vois Ma mère était sur écoute. Et là, ils ont su que j'étais là-bas. Ils m'ont, beau arrêté et tout et tout. Et retour à l'envoyeur. <laughs> Donc, je suis revenu en prison ici. Mais ils m'ont mis dans une petite prison à Marbella. Toute petite, il y avait quoi 12 pensionnaires dans cette prison, toute petite. Aujourd'hui, elle est plus grande. Ils ont en fait euh, pff, une, une ville dans une ville, parce qu'il y a tellement de trafiquants et de tout là-bas. Et donc, euh, on, on, nos lits, ils étaient creusés dans la, dans, dans la roche, nos lits. On, tu tirais ton matelas comme ça, et après, tu te mettais dedans, et le gardien il te poussait, il te mettait dans ton lit, tu ne pouvais pas bouger. Hein. Tu étais coincé, c'est effarant. C'est comme si on te mettait... Dans un cercueil, tu vois ce que je veux dire T'es un cercueil, tu bon ça, ça va, c'est assez spacieux, mais putain. Et euh, qu'est-ce que je vois apparaître quelques jours plus tard Le sac, le sac. Ma mère d'abord qui vient. oui eh, mon fils, ça va Ma fiancée aussi, qui fait un grand sourire comme ça. Elle ressemble à Brigitte Bardot en boucine. Et tain, je me gratte le nez. Je, je prends pas de coque, mais c'est une habitude. Alors qu'on ne pense pas que je me gratte le nez parce que je prends de la coque. Ça, c'est faux. Je touche plus. Et c'est tant mieux. Alors, je vois ma mère apparaître. Je vois ma fiancée apparaître. Et puis, je vois Jean Gilbert. Alors, lui, c'était le tueur. De... Il n'était pas de l'OS. On est, il est né à Casablanca, on a fait l'école ensemble, le lycée lyoté et tout et C'était un tueur, c'était un malade mental, c'était un fou furieux. Heureusement, il est mort parce que. Et je le vois apparaître, je dis, oui, avec un flingue à la main. Je vois derrière deux policiers, mais des franquistes anti-policiers socialistes, parce que il y avait un bordel en Espagne à cette époque. Il y avait, euh, on savait pas trop qui était qui, euh, les socialistes, les communistes, les les fascistes. Bon deux policiers fascistes avec qui j'avais travaillé auparavant, avec le shit et tout. Ils m'avaient volé 200 kilos d'ailleurs. Et, et, et derrière, il y a encore deux autres policiers qui, qui arrivent. Donc, ils étaient quatre policiers. Jean Gilbert et, et comment il s'appelait déjà, Pablo. voilà. Ils arrivent, ils disent au gardien, moi je le vois, il dit au gardien, ouvre la porte. Vous ah, mettent un flingue sur la tête, tu ouvres la porte, on te flingue. Police. Quand il a vu le, le truc de la police, il a ouvert. Et ils nous ont tous fait sortir. Allez hop, moi on m'a emmené directement à Gibraltar sur un bateau et je suis rentré en France. Et je ne suis pas retourné pendant 25 ans. J'ai pris 40 ans de prison là-bas pour ça. Voilà. Dans certaines de, de vos interventions médiatiques, vous vous récits sont de temps en temps un peu différents. De temps en temps vous dites que vous n'avez jamais tué d'autres fois oui. Ça ne fait pas plaisir aussi, il faut te mettre un peu à ma place. Tant en temps aussi, euh... vous, vous dites regretter votre passé, de temps en temps, vous, vous dites vous êtes fier. Oui, de je, suis, votre oui passé. je suis très instable là-dessus, c'est vrai. Et comment vérifier en fait, ce que vous dites en fait Qui êtes-vous vraiment Mais euh regretter, normal vous pose regretter la question, mon passé. Parce que quand, même... quand je vois le présent, ouais. je regrette mon passé. Voilà, c'est ça. Là, j'ai tout dit. quand euh, bon, Moi, je croyais que mon passé, c'était quand même assez virulent, assez ci, assez ça. Mais quand je vois la merde qu'on a ici et ailleurs, les voyous d'aujourd'hui, les je dis putain, le passé était formidable. Quand on avait des gens d'honneur, des gens respect... qui... respectueux de ci, de ça, les femmes n'étaient pas aussi matérialistes qu'aujourd'hui. Oui, évidemment, je regrette le passé. Bien sûr. Après quoi euh, Je suis instable, oui, c'est sûr que je suis pas. Et je, je flottis entre encore le diable et, et, et le bon Dieu, voilà, on va dire. Je, voilà, je, je, je nage, je surnage, je, je sais pas trop qui je suis moi-même, euh, je comprends pas, il y a des choses que je comprends pas, j'avoue. A... J'ai des prémonitions, j'ai des, des, des messages qui me viennent de partout, je sais pas ce qui se passe, franchement. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Vous dites, euh, je ne balance pas, j'informe. Est-ce que de temps en temps vous dites pas, voilà, peut-être que c'est peut-être indigne ce que vous, ce que vous, ce que vous dites. Euh, ben ce, voilà, vos, vos livres, par exemple, euh, vous de, vous dites pas un jour que voilà de temps en temps que c'est indigne. Bah, de raconter, indigne, quoi, en... quoi, qu de r... raconter un peu les coulisses bah, de... Ça, c'est ouais. indigne, non, non. c'est ce que eux nous font qui est indigne, c'est pas pareil. Et aujourd'hui, on le voit, avec toutes ces saloperies qu'on qu nous fait, c'est eux, les... les élites de la France, c'est eux qui sont indignes à la France. Après De Gaulle, il n'y a eu que de la merde, que de la merde. Pompidou, l'horreur Giscard d'Estaing, je vais en parler dans mon tome 4. Le, lui, c'est le diable sur terre. Quoi. Giscard d'Estaing avec une bonne apparence et un, un langage un peu euh, assez épicé. J'aimerais vous entendre notamment sur, euh, sur Jacques Chirac, une autre figure après Pascal Jacques Chirac, c'est un, un. Comment on dirait ça C'est un vat-en-guerre, mais une guerre sexuelle, lui, c'est tout. Il pensait qu'à baiser. À violer les petites nanas, euh, baissez-vous, c'est la République qui vous baise, euh, vous devriez être heureuse, vous devriez être fier. Moi, je sais pas si une nana, elle est fière de se faire niquer pendant deux minutes, deux, trois minutes par par Chirac, bah, il, il, la République, faut arrêter, il faut pas mettre la République en cause, c'est lui qui baisse les nanas et leur fait croire vous devriez être fier. Et puis sinon, il est menacé, il dit vous, vous allez perdre votre boulot, comme elles étaient au black, les nanas en particulier. Celle de, dont je, je parle de deux ou trois nanas qui travaillaient au, au Racing Club de, de France à Passy. Et ça, c'est des nanas qui gagnaient beaucoup d'argent avec les pourboires parce qu'il n'y avait que des gens riches, des ministres, des tout, tout le gouvernement était là-bas. Et donc, elles touchaient des gros pourboires. Et bien, quand le mec il venait, là, il lui baissait le slip, il disait Baissez-vous, et slack ». il lui mettait. Ah, c'est dégueulasse, quoi, de profiter de la situation. Il y avait la femme de ménage qui était très belle et puis celle qui tenait la boutique qui était encore très belle. Je me demande pourquoi elle ne réagisse pas. Elle pourrait m'appeler et me dire « Oui, euh, on est là ou alors sont peut-être morts. » Je ne sais pas. Mais je trouve que, ce que, ce, que ce que Chirac a fait, c'est dégueulasse. Quoi. Comment vous tout. avez fait sa connaissance Chirac ouais. C'est... Euh, comment il s'appelle Jacques Barraud qui me l'a présenté. Jacques Barraud qui était le... Le monsieur France-Afrique. Oui, et puis qui était... Non, c'était Faucard, le français. Ah, pardon, oui, Faucard. Non, non. Euh, Barreau, c'était le, le bérou de l'époque. Mmh. Le patron du DI, je crois. Alors, le lui, c'était ouais. la, la pourriture des pourritures. Mmh. Lui, c'était tous azimuts. Il se faisait prendre, il mettait, il volait. Euh, il je lui vendais des costumes de chez Smalto. Euh, il me prenait tout. Il revendait tout ça au, au, à l'Assemblée nationale. Il, il savait que c'était des costumes volés, mais j'ai acheté tous. Des Costumes, il y avait des vestes en cuir, il y avait des manteaux en cuir. Ces mecs-là, attention, ils n'hésitaient pas, ils savaient que c'était volé et tout, mais ils achetaient la drogue aussi, à tout va, à tout va. C des... c comment après, comment, moi, comment je peux avoir du respect pour un mec comme Chirac Je suis désolé, il a rien fait pour la France. Qu'est-ce qu'il a fait À part éviter d'envoyer l'armée française en Irak. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Chirac, pour la France Il a rien. Qu'est-ce qu'il a essayé derrière lui Le, le Quai Branly, là, le petit musée Non, il a passé son temps à s'amuser avec les gros, à faire du pognon, avec Pasqua. Il, il avait 50 milliards de, 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 de francs français au Japon, dans une banque au Japon, Chirac, il faut le savoir, 50 milliards. D'où il sort cet argent hein ben, L'argent de la drogue, du cannabis, que, que Pasqua faisait entrer en, en France et qui revendait, et partageait, tout le monde était riche. Vous lui avez vendu de la, la coque à Chirac Oui, bah oui, oh là là <laughs> C'est pas moi directement qui lui vendais, mais c'était son chauffeur qui était le cousin d'un de mes lieutenants, d'accord Malka, il s'appelait. Et d'ailleurs, il a pris sept ans de prison, lui aussi, mais hein Chirac lui a pas fait de cadeau. Quand, euh, quand ça s'est un peu ébruté, que, parce que, que Chirac était cocaïnomane et tout, et tout... Il n'a pas hésité à mettre en cause son, son chauffeur et le mettre en prison. Sept années de prison, il a pris. Voilà, c'est ça la, la méchanceté de Chirac. C'était pas un type bien. Hein. Faut pas ben pourquoi croire. vous lui en voulez maintenant Qu'est-ce qui s'est passé, qu qu passé ben, J'ai pris 15 années de prison à cause de lui. Il a même enfreint la loi. Parce que moi, la peine, quand je suis tombé, la peine maximale était de 10 ans. Chirac pour... a, obligé, a obligé le non, procureur. La Peine à... maximale pour, pour trafic de drogue. Oui, ouais. à l'époque, c'était 10 ans. Et moi. Chirac, il a obligé le, le procureur à me massacrer et à demander 20 ans. Et j'ai pris 15. C'est-à-dire que les deux, le procureur et le président du tribunal, ont enfreint la loi. D'accord Et moi, je m'en suis rendu compte. Mes avocats s'étaient même pas rendus compte. Ça prouve que les avocats, ils mettent jamais le nez dans un dossier. C'est des enfoirés. J'ai eu les plus grands avocats de France. Les plus grands. Comme Pierre Haï qui est en train de crever, là. Et je suis bien content. J'espère qu'il qu souffre comme il faut. Ça, c'est la Pire des saloperies qui existent en matière d'avocat. J'ai eu euh, oh, Liénard, Alors lui, j'en parle, hum, j'en ai parlé dans mes bouquins. Donc euh, c'était que des crapules. Vous avez eu Maître euh, Dupont Moretti également. Ah ouais. oui, c'est après lui, c'est après en 92. C'est à vennes sur Elbe. Et donc euh, vous voulez donc vous venger maintenant de, de Jacques Chirac. C'est fait, ça y est. Je m'en fous, mais pour moi, je l'ai oublié. Je me suis vengé, voilà. J'ai, j'ai entaché sa réputation, et je voulais que les Français sachent qui est vraiment Chirac, qui est vraiment Pasqua. Maintenant, ils savent, ils savent, ils savent par quoi on est dirigé. Pardon. Vous racontez aussi euh, une fois euh, pour vous venger, une première fois de Chirac, mmh. euh, lui avoir mis. Des laxatifs, c'est bien ouais, ça Oui, ouais. mais ça, c'est parce qu'il a voulu me niquer la gueule, moi je lui ai niqué la sienne. C'est simple, c'est dire... prêté pour un rendu, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que, euh, comment il s'appelait euh, Jacques Barraud, une fois, <coughs> pour me payer les des costumes, il avait des chèques de Chirac. Je ne sais pas comment il a fait pour les avoir, parce qu'il joue au Bacaman avec lui, euh, je ne sais pas. Et il me donne des chèques, un chèque de 4, 4 000 et un chèque de 11 000. Eh bien, moi, évidemment, je les mets sur mon compte. Et quand Chirac, il apprend ça, d'accord Parce que la banque l'appelle. Il appelle, il dit, attendez, il y a des chèques pour sur un mec, un mec ouais, bah, bah, bah Ah, opposition. Il fait opposition. Et il veut pas me payer 15 000 francs. Bon, tu veux pas me payer, d'accord. Qu'est-ce que je veux faire contre Chirac hein Je peux rien faire. J'ai attendu le moment propice et le moment propice est venu. C'est un soir, il y avait une fête chez Dassault dans une propriété immense, 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 pas au moins 20 ou 30 ou 50 hectares, quelque chose d'immense, immense. D immense. Et, euh, et là, il avait besoin de coque pour ses amis. Et donc, il demande à son chauffeur, son chauffeur, il m'appelle, il me dit, ah, ah, euh, il, me faut, il me faut 100 grammes. <laughs> J'ai dit, ah, voilà le moment venu. Je prends 50 grammes. Déjà, la coque, c'est connu pour être un peu un laxatif. La coque pure, hein, ça peut être un laxatif. Et, et je prends 50 grammes de manicole, c'est un, un hyper laxatif, et je fais le bon mélange, et j'emmène. Et là, j'ai assisté pour rester quand même, pour voir un peu ce qui c'est, la débandade, <laughs> débandade. Et je me suis mis du côté de, du barbecue, avec un Marocain, et j'observais. Alors, des, un quart d'heure plus tard, ça sortait de la maison de partout. Ils couraient, chacun cherchait un buisson où se visait, et tout. Là, ça puait, et tout, c'était. Je, je, si je suis pas mort ce jour-là de rire, je ne mourrai jamais de rire parce que je suis tombé par terre, j'ai vomi et tout. Heureusement, il y avait du sable là, du côté du barbecue. Je suis tombé, mais je suis tombé de rire mais par terre. J'ai failli mourir de rigoler. Il fallait les voir tous avec leur smoking, les femmes avec des robes à 100 000 francs et tout ça. Ça courait dans tous les sens, ça se chiait dessus. C'était ah un film. On aurait pu faire un film de ça. Les gens seraient morts de rire. Là, vous parlez de Chirac, de Pasqua. Euh, Qu'en est-il des, des membres du gouvernement actuel <rire> <rire> Franchement, vous euh... ne les connaissez pas, ça. Non, je évident. les connais pas, non. Mais je veux pas les connaître. Non, non, pas du tout. vous voyez, vous voyez leur leur visage à la télévision. Ah ben oui, par exemple Macron. Oui, pour pour vous, pour vous, il euh, y a de la cocaïne. Ah bah, beaucoup, 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 beaucoup. Il y a que ça. C'est visible. Et c'est peut-être un peu ce qui les pousse à faire des conneries. Ils se sentent, euh, comment dirais-je, euh, intouchables, ils se sentent invincibles, ils font des trucs pas possibles. Mais moi, quand je prenais de la coque, je faisais des trucs pas possibles, je me sentais invinci invincible. J'étais capable de tout, de tout, de tout. Il y avait, il n'y a, a pas de frein. Quand on prend de la bonne coque, quand on en prend un peu trop, on n'a plus de frein. On est capable de tout. C'est ça le problème. Et eux, ils nous ont démontré qu'ils sont capables de tout. Euh, rentrons dans, dans le sujet de la drogue. Vous avez donc euh, fourni des stupéfiants à, à beaucoup d'hommes politiques et aux stars du showbiz. Euh, oui. Euh, oui. Après oui. Jacques Chirac, euh, c'est Johnny Hallyday qui fait partie de vos cibles favorites. Oui. Pourquoi Alors là, Johnny, euh, c'est déjà assez spécial. Et, et pour l'anecdote, moi, au départ, on m'a dit euh, Ouais, t'as pas honte, Johnny Non, Johnny prend pas de copains. Aujourd'hui, tout le monde sait que tout le monde a... les langues se sont déliées, même son meilleur ami, là, comment il s'appelait déjà, là, un député. Il a dit Mais oui, bien sûr, tout le monde prend de la compte dans ce milieu. Et après, euh, PD, euh, homosexuel, pardon, euh, personne ne l'a cru. Parce que Johnny, c'est le mec, ouais, avec des gros bras, tatoués, les grossards, les Davidson. Ça, c'est la représentation du, de l'homme. Alors qu'en Californie. Euh, ils sont tous LGBT, ils ont tous des Harley Davidson. Moi, j'ai rien contre les LGBT. Chacun a le droit à sa, sa liberté sexuelle et à, ça, c'est <coughs> qu'on ne dise pas que je suis anti euh, homosexuel. C'est faux. Simplement, j'ai considéré que chez Johnny, c'était quand même un travers, euh, c'était une ineptie. et je l'ai dit. Bon, alors pourquoi, pourquoi j'ai cherché à me venger C'est <coughs> clair. Parce que quand on, on m'a arrêté. 25 personnes du show business ont été interrogées. Le seul qui m'a vraiment balancé, c'est Johnny. Là, on l'a chopé avec 10 grammes sur lui, on lui a fait du chantage, on lui a dit Ouais, si, si tu le balances pas et tout, euh, on va te mettre sur les journaux, demain tu vas faire de la prison et tout et tout. Donc il m'a balancé tranquille, tranquille, pour lui, euh, comme tu écrases un moustique ou quoi. Pour lui, voilà. Pourtant, je l'aimais bien. bien. Maintenant, euh, après, j'avais une belle anecdote aussi avec le, le, le petit Philippe, là, le petit blond, qui était son amant et tout. C'était très beau ça. Et c'est <coughs> Michel Sardou qui a confirmé que Johnny était son amant. Michel Sardou, dans une émission, dans tu peux, tu... ça se retrouve sur Internet. On dit on a on a trouvé Johnny euh, au lit avec Sardou. Voilà. Et lui, il dit que c'était son grand amour, qu'il a beaucoup souffert de ça, de ci, de là. Voilà, donc euh, tout ce que j'ai dit a été confirmé. Comme par exemple sur Bella Hadid, quand j'ai dit Bella Hadid, euh, c'est une folle, elle est dangereuse. C'est elle-même qui, qui, qui s'est présentée dans une, une émission, je ne sais pas trop quoi, euh, là, il n'y a pas longtemps, il y a 6-8 mois, en disant qu'elle est, qu est folle. Elle reconnaît qu'elle est complètement folle, elle est en larmes, elle avait une sale tronche, elle a toujours eu une sale tronche de toute façon. Et... Là, quand on la voit, bien sûr, il y a la chirurgie esthétique et tout, mais bon. Et, et donc voilà, tout se confirme. Jacques Lang, c'est pareil. Comment je l'ai massacré Il a dit que c'était vrai, il reconnaissait que c'était vrai, mais il a dit Oui, mais c'était des, des conneries de jeunesse. Je vais vous entendre sur, sur Johnny à nouveau. Euh, comment comment, comment euh, vous l'avez rencontré Je l'ai rencontré en boîte, tout simplement. Il avait une botte qui s'appelait l'observatoire et son, son, comment on peut appeler ça, hein, garde du corps, hein, on va dire, allez, comment il s'appelait Alan, je crois, ouais Alan. C'était un black, très sympa le mec. Et tout, bah, je, je lui fournissais de la coque, il me dit, tu oh, en il aimerait bien, oh là là, les de ta coque. et tout, il n'y a pas de problème. Et voilà, je, je l'ai emmené presque, presque tous les jours 10 grammes puis, il y, y a Claude Brasseur aussi qui me l'a présenté. Claude Brasseur, il m'a présenté beaucoup de monde. Et euh, y a, comment dans il votre hôtel de passe, justement, peut-être. Euh, oui, aussi, ça, c'est entre autres. Mais dans la discothèque de Johnny, ça y allait. Il hein. y avait Annie Girardot. Y avait, Parce que vous aviez, vous aviez une maison de passe, c'est bien ça Oui, à Versailles, oui. C'était la maison de ma mère. Mais bon, comme ma mère vivait en Espagne et qu'elle venait très rarement, je me suis dit, allez, hop, c'est parti. C'est une maison de... Pas de passe une maison de passe, c'est une maison où on présente des putes aux clients. Non, là, c'est une maison où ils venaient accompagner. Qui venaient Thierry Tienne-Héritier, le Luron, Coluche, Isabelle Adjani, euh, Johnny et tout. Il y a beaucoup d'autres. Claude Brasseur, il y avait. Euh, comment s'est appelé. Merde, euh, celui qui a fait la, la balance, là. Léotard, Philippe Léotard. Et plein d'autres pères. Il y avait un grand, un grand peintre qui avait fait cinq années de prison pour. Euh, falsification de tableaux. Il y en avait plein. J'en avais plein. Je ne me rappelle plus des noms et tout. Mais bon, après, je ne vais plus citer les gens. Je les laisse tranquilles. Maintenant, ceux du show business, j'ai même plus envie de parler. Tellement, ils me dégoûtent ces gens-là. -ce que... même... Les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils applaudissent des gens. Ils, voient, ils les voient dans des films et tout. Mais la réalité, elle est toute autre. Si si voyez euh, ces gens-là comme comme Bella Hadid, le grand mannequin international, euh, la plus belle femme du monde. Mais arrêtez, je vous en prie. Pff, allez voir dans les coulisses. Ne regardez pas la vitrine. La vitrine, elle est belle toujours. C'est dans les coulisses que ça se passe. C'est des monstres tout ça. Vous dites que Johnny Hallyday, euh, il était racketté par des mafieux. Il était racketté à cause du petit Philippe. Alors le petit Philippe, je l'ai dit, c'était le fils de l'ancien gangster Carbone. Dans les années 40, pendant la guerre, Carbone collaborait. Le avec... hein? Oui, le oui. Carbone collaborait avec les Allemands. Après la guerre, ils l'ont sanctionné. Et Carbone était marié avec une femme qui s'appelait Manouche, qui aujourd'hui est morte, bien sûr. Manouche avait un bar à Tanger, tout près de chez moi. Un bar où c'était une femme intéressante. Elle avait beaucoup d'histoires à raconter. Donc, mon père, qui était le médecin chef de la province de Tanger, il venait avec d'autres médecins, avec de, toute l'élite toute de Tanger, aller chez elle. D'accord Et elle, elle avait le, son fils, le petit Philippe, qui était très, très beau, un dieu, un dieu. Et un petit blond, à, comment on dit ça, avec des petites euh, bouclettes, oui. à bouclettes, mais des yeux bleus, une pureté de. Voilà. Et euh, le petit Philippe, il était amoureux de moi. Il voulait que, que, je, que je le prenne, mais bon, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Il était fou amoureux de moi. Et chaque fois qu'il avait un problème. Alors, mes parents allaient chez lui presque tous les soirs, chez sa mère, on va dire. Et lui, quand il, il apprenait que j'étais là, il venait... Après sa mère, elle disait, allez, va, va, va dormir, espèce de petite tapette, comme ça, elle le disait, direct. Elle savait, elle savait qu'il se faisait sauter partout. Les, tous les, les Marocains euh, qui ils se faisaient sauter partout. À Tangier, il était connu pour ça. Puis, mais il en avait marre, et puis un jour, il me dit, bah, bah, écoute, je vais tenter ma chance en France. Il avait 16 ans. Et ben sa chance, il l'a eu, il a rencontré Johnny, euh, évidemment, au Rock and Roll Circus. C'était là où Johnny allait tous les soirs. Il l'a rencontré. <coughs> ils, sont, ils, sont, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, c'est vrai. Enfin, c'est ce qu'ils se disaient, en tout cas. Et mais la maman Manouz qui était un voyou, femme, et tout, quand elle a appris ça, elle lui dit mais vas-y arrange-toi, faut qu'on le prenne en photo et tout. Voilà, et, et ils ont arrangé ça à Paris, je sais pas comment, je m'en rappelle plus. Et puis ils ont réussi à avoir des photos. Et moi quand il m'a montré ces photos, je dit, mais putain, oh c'est quoi ça, Johnny en sandwich, c'est-à-dire une femme dessous. En, en gros, on le faisait chanter quoi. Ah ben, la mafia française, ils ont toujours fait chanter. C'est pour ça qu'il avait plus de thunes, de quoi payer ses impôts et tout. Il lui prenait tout. Il lui prenait tout. Et c'est ce qui a créé la, la, le, comment dirais, le problème entre Gaëtan Zampa et Francis le Belge. Francis le Belge qui prenait les patins de, de Johnny et Zampa qui le raquaitait. Et Francis, il a, il a cru qu'il avait du pouvoir. Il a dit à Zampa, tu vas le lâcher. Il a dit Non, je ne le lâche pas. Il dit c'est un compatriote, j'en ai rien à foutre. Et on le raquette, on a des photos, on le raquette. Ça a créé une distance, un, un grand problème entre les deux, Gaëtan Zampa et Francis le Belge. C'est des choses que les, les gens ignorent, mais moi je le sais. Là, vous parlez de, des années 60 jusqu'aux années 80-90. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de, du showbiz Est-ce que ça a changé Je ne pense pas. Ça a empiré ça a empiré showbiz. moi je veux même plus voir leur tronche dans les films je veux plus pour moi c'est des mal... c'est de la triche c'est de la triche c'est des effets spéciaux non euh, aujourd'hui il euh, n'y a pas de raison que ça change la cocaïne est partout, ils en ont besoin il faut reconnaître, mais c'est ce on a l'impression aussi que la, la cocaïne aussi c'est beaucoup démocratisée ben, c'est complètement démocratisé ouais. maintenant tout le monde en a mais pas de la bonne. Eux, ils ont de la bonne. D'accord Et l'adrénochrome, là, euh, moi, ça ne me fait pas plaisir de savoir qu'il y a des grands acteurs qui prennent de l'adrénochrome, le sang des petits-enfants, pour rajeunir. Tu ne connais pas l'adrénochrome la, Non. Vous racontez les différences entre les différentes cocaïnes dans vos. Dans vos. Votre, dans ah vos. Il oui, y, y en a une douzaine de différentes. C'est quoi les différences Et quels sont leurs effets particuliers bah, Déjà, elles poussent sur des sols différents. Il y a la cocaïne colombienne, la cocaïne péruvienne, c'est... Oui, bah oui par exemple, la péruvienne, on va dire, c'est l'écaille de poisson, la péruvienne, c'est la pureté, c'est de la nacre. Voilà, alors que la colombienne, elle est, elle est terne et tout, mais elle est violente. Après, il y a la différence de, de traitement, parce qu'il faut savoir que la cocaïne, à la base, il faut ce qu'on appelle la pasta. La, la, c'est là que tout commence, la pasta. Donc, ils prennent... De la, de, la, de la feuille de coca qui pousse dans des endroits différents. Ça, ça change aussi. A, par exemple, il y a des oignons euh, qui ne ressemblent à, pas à d'autres oignons et pourtant ça reste des oignons. Et parce qu'ils ils ont poussé en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, donc il y a des, des trucs différents dans la terre. Et là, euh, la feuille de coca, elle pousse un peu partout, à des climats différents. et tout. Bon. Toujours à au moins 1400 mètres d'altitude pas Au-dessous, et, euh, et donc on prend les feuilles de coca, on les met dans un bassin, on met de la chaux, d'accord, et de l'acide chlorhydrique, et on laisse fermenter, ça donne une espèce de pâte vert foncée. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pasta. Alors, il y a des petits malins qui ont fait une coque spéciale qui est jaunâtre, qu'on appelle euh, melting pot, non, on l'appelle le pot pourri, le pot pourri, mais melting pot aussi en anglais pourris mais qui prennent la pasta de plusieurs pays différents d'accord ils la mélangent comme ça il y a dans cette coque il y a toutes les caractéristiques et les spécificités des différentes cocaïnes par exemple cette cette coque elle est faite à, surtout au suriname qui est un pays voisin de la Guyane, et euh, au brésil aussi et donc euh, la, le pot pourri, c'est une coque qui est dangereuse parce que elle n'a pas une spécificité, elle en a plusieurs. Donc elle peut être violente en même temps qu'elle peut être douce, elle peut être intelligente. Alors pour en revenir, pour moi, il y avait deux coques. Il y avait la péruvienne, c'est les cailles de poisson, ça c'est celle que je vendais à Chirac et compagnie. Il y avait la jaunâtre, il y avait une troisième qui était, on la retrouve plus maintenant, qu'on qu appelait des ailes de mouche. Ça, ça venait du Venezuela. C'était des coques différentes, complètement différentes. L'une était violente, l'autre était festive, l'autre était sexuelle. Euh, voilà. Et, il faut le savoir, il y a plusieurs qualités et, aussi à la qualité. Après, il y a le fait que la pasta, elle est travaillée. Avec trois produits. Alors, ça dépend du pays. C'est l'éther, l'acétone ou le kérosène. La, la, la cocaïne pauvre, c'est le kérosène. C'est ce que j'appelle la cocaïne industrielle. C'est surtout en Colombie, un peu au Brésil et tout ça. La, la cocaïne classe, c'est le Pérou. Parce qu'elle est pure, elle est, elle, elle, est, elle est nettoyée. On leur donne des bains, des bains d'éther. Des Jusqu'à ce que la pasta verte, elle devienne blanche et nacrée. C'est extraordinaire. Mais il faut donner des bains et des bains et des bains. Il faut savoir qu'au Pérou, si on te chope avec de l'éther, tu prends plus que si on te chope avec de la cocaïne. Parce qu'on dit que tu, es trafiquant, que tu es producteur de cocaïne avec l'éther. L'éther, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Et si tu te fais choper, tu es mort. Après, il y a l'acétone qui est plus facile à avoir. C'est un industriel. C'est encore une bonne coque. Mais après, l'autre, au kérosène, elle, elle sent l'essence. Dégueulasse. Voilà, C'est la coque du pauvre, on va dire. Industrielle. Voilà, donc maintenant tu sais tout. <laughs> Pourquoi vous avez pris la coque Ah, si, je le savais. Alors, je l'ai en fait. En sachant toutes ces horreurs. Ben non, je ne savais pas quand j'ai pris attention. Non, j'avais rencontré Madame Oufkir, la femme du général Oufkir Dumas, le grand patron. C'est l'assassin de Ben Barka. C'était ma maîtresse à Marbella. Et euh, sa meilleure amie qui était immensément belle, encore plus belle que, que la femme du général Oufkir, et qu'on disait être la plus belle femme de, du Maroc, la, la femme du général Oufkir. S'appelait Fatima Hadja. Et, et donc, sa meilleure copine, elle m'a pris en douce, elle m'a dit, écoute, elle t'a invité ce soir, mais ne couche pas avec elle ce soir. Il faut que tu viennes me voir, et moi, je vais te montrer comment tu vas faire pour la rendre amoureuse. Et donc, je suis allé chez elle à la fin de la soirée, vers 4h du matin, chez sa meilleure amie. J'ai prétexté chez Hadja, de toute façon elle était fatiguée, puisqu'elle a dû gérer toute la soirée là-bas. Et euh, elle m'a dit si tu veux être à la hauteur et sur la même longueur d'onde qu'elle, tu prends ça. Et c'était de la cocaïne. Je dis dit mais non, mais non. Elle a dit fais-moi confiance. Je lui ai fait confiance, j'en ai pris, ça m'a plu sexuellement et tout. Et le lendemain, j'étais d'attaque avec euh, Hadja, la femme du général, qui me dit ah ouais, tiens, euh, tu veux prendre un peu de coque et tout. Moi, je ne peux pas faire l'amour avec quelqu'un qui passe sur la même longueur d'onde que moi. J'ai dit Bon, allez, vas-y. Et j'en ai pris. Et puis, depuis, et ben, voilà. après, je suis allé en Hollande et. Je me suis laissé aller. Et quand est-ce que vous avez terminé avec cocaïne 2008. C'est une date fatidique pour moi. C'est ma deuxième vie. Pourquoi bah, Parce que j'en ai eu marre. Ai... Du jour au lendemain ah bah, Parce que vous êtes prison. J'avais pris 9 ans de prison ouais. là, en 2004. J'ai pris 9 ans de prison. J'ai fait 4 ans et des poussières. Je suis sorti fin 2008 et là j'avais tout compris. Puis j'avais écrit mes bouquins et tout. J'ai dit stop, stop, j'arrête là. J'ai fait le bilan. Je vois mal entouré que des saloperies dans ce monde, que des traîtres, que des, des hypocrites, des opportunistes et tout. J'ai dit c'est pas ma vie ça. J'ai eu une lueur, une lueur d'intelligence, je ne sais pas où, c'est peut-être le bon Dieu qui m'a rattrapé. Moi, j'y crois, hein. Dieu, attention. Le bon Dieu m'a rattrapé, il m'a dit Bon, maintenant ça suffit, tu as trop, trop travaillé avec le diable, maintenant tu viens dans mon camp. Je suis rentré dans le camp du bon Dieu, je n'en suis pas comment, déçu. C'est très bien, je préfère. Vous avez évoqué donc le Pérou la Colombie, est-ce que vous êtes, vous êtes déjà rendu là-bas Ah, ben oui, bien sûr, obligé. Vous avez rencontré des barons de la drogue là-bas Oui, quelques-uns, mais pas les gros, gros, gros. Pas Pablo Je n'étais pas, pas Escobar. assez gros. Non, mais non, mais non. Je n'étais pas assez gros pour ça. Moi, j'étais un petit. Un peu. Par rapport aux autres là-bas, j'étais un petit. 5 kilos, 10 kilos, c'est pas plus que ça. Hein. Une fois on a essayé 200 kilos, on s'est fait avoir. Ce n'est pas la peine. Non, non, c'est très dangereux. L'Amérique du Sud, oh là là, je ne retournerai plus jamais dans ce pays. Moi. Je me demande même comment je ne suis pas mort là-bas. C'est des faux furieux. Ils prennent tous de la coque, là-bas. prennent tous de la coque. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça Et comment la coque était-elle transportée d'Amérique du Sud jusqu'en... Oh ben, déjà, au début, quand je l'ai fait avec mon ami italien, c'était avec un yacht. Avec un boa, dans le truc. Ça, c'était mon idée. Hein. Attention. Un boa, un boa, ça bouffe une chèvre de 35 kilos. Et ça prend deux à trois jours pour digérer. Donc, moi, on avait le bois dans le bateau, on avait la coque. Quand on arrivait au large des, coques, des côtes espagnoles, on donnait le... à bouffer une chèvre qu'on avait vidée. On mettait la coque dedans, on recousait tout ça. On donnait ça au, ser... au serpent, oui, c'est un bois. Et quand les douaniers arrivaient sur le bateau, quand on arrivait au Puerto Banus à Marbella, les douaniers arrivaient ils regardaient et regardaient tout. Ils disaient, Qu'est-ce qu'il a ici J'ai dit, vous voulez voir Allez-y. Il rigolait, j'ai euh, c'est sans sa chèvre, il bouffe des chèvres. On en avait dans le frigo. Et tout. Et, ah bon, d'accord. Mais personne n'a jamais osé aller voir ce qui se passait dans le ventre du bois. Voilà. Après, j'ai laissé tomber parce que ça commençait à se savoir et tout. J'ai trouvé plein de, de systèmes, mais bon, je préfère ne pas en parler. C'est le passé, ça. Vous avez touché à d'autres drogues que, le, que la cocaïne Oui. Le crack mais Oui, j'étais dans le crack. Ouais. Malheureusement, je suis tombé dedans comme un con. Moi qui donne des conseils, <laughs> putain, personne ne m'a conseillé, au contraire. Ah oui, le crack, ça a été catastrophique. En même temps, euh, en même temps ça m'a quand même euh, fait réfléchir. Parce que je me dis, putain, mais attends, il y a des embûches quand on prend la coque. Il faut faire attention aux gens qui t'entourent. Il faut faire attention aux nanas. Il faut faire attention à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ils te pousse dans le, dans le ravin, vite fait, bien fait. Pour moi, c'est un ravin, hein, le crack. Heureusement, je n'ai pas été longtemps, mais assez longtemps pour perdre quand même, pour descendre de 80 kilos à 45. Quand les flics m'ont arrêté, j'étais cadavérique. Et j'ai remercié les flics. Euh, j'ai écrit une note au juge d'instruction pour la de dire de remercier les filles qui m'avaient arrêté. J'ai dit, ouais. franchement, et toute ma vie, je leur dois ma vie. Ils m'ont arrêté, ils n'ont pas été méchants avec moi, les gardiens de prison étaient sympathiques, la Hollande, c'était un pays social. Aujourd'hui, je sais pas, c'est fini tout ça, mais avant, franchement, les Hollandais, la classe, quoi. la classe. Ils ont été patients avec moi. Pendant trois mois en prison, j'étais sur une autre planète, j'étais sur un nuage. Et les gens se foutaient de ma gueule parce que je parlais de construire des, des hôpitaux sur la Lune, de construire des maisons de retraite, des EHPAD. Les gens me il est taré, raconte n'importe quoi. J'avais des projets pas possibles. Et au bout de trois mois, quatre mois, j'ai commencé à, à, re, à revenir à moi-même, tu vois. Puis quand je me suis rendu compte de ça, je dis, putain, mais je reviens de loin. Plus jamais, plus jamais. Le crack, c'est foutu. Les mecs sont foutus. Alors là, on ne sait pas quoi en faire, mais parce qu'ils veulent pas. Ils veulent toujours avoir ce genre de, de, de personnages euh, dans les villes pour justifier des crédits de la, pour la police et tout. Mais non, il y a des fermes abandonnées partout en France. Tu prends une ferme abandonnée, tu mets des grillages autour électrifiés et tu mets les gens dedans, tu dis vous allez travailler dans la ferme il n'y a plus de craque, c'est fini. Hop, ils travaillent dans la ferme, ils mangent, ils dorment de leur travail. Et au début, on les aide un peu à bouffer, mais après, voilà. Et moi, je dirais, c'est des parcs de, de, de réconciliation avec la vie. C'est tellement facile. Il y a des milliers de, de, de fermes en France qui sont là. Bah, en prison, ce n'est pas la peine de les mettre. Ils sont trop bien en prison. Et... Vous avez fait 18 ans de prison. Comment on ressort intact je ne sais pas si je suis intact. La ouais. question, elle est là. Est-ce que, que vous je dites suis finalement intact? que la prison vous a, vous a sauvé, quoi Ah ben, bah forcément, évidemment. Bah, s'il n'y avait pas eu la prison, je serais peut-être mort, maintenant, je ne sais pas, je serais allé trop loin. Bah, déjà, avec le crack en 83, euh, s'il n'y avait pas eu la prison, je crois que je serais en, à fond, je serais peut-être en train de mendier SDF, ou quoi, ou peut-être mort, parce que le crack... Le seul mec qui a été intelligent... C'était le maire d'Amsterdam, un mec formidable. Il, a, il voyait tous ces zombies-là dans la ville d'Amsterdam. Et les touristes, ils étaient gênés parce qu'il y avait des ils arrivaient comme ça. Euh, euh, des... en, en général, la plupart, c'était des blacks et quelques Hollandais. Je ne sais pas pourquoi les blacks, ils aimaient ça, ils plongeaient là-dedans. Et, et donc, le maire, il a, il a réagi. Il a acheté un vieux bateau désaffecté. Et il l'a mis juste à côté de la station centrale d'Amsterdam, au centre-ville ancré là-bas, et c'était le dernier, le titre, c'était le dernier voyage. The last, the last Rise, ça veut dire le dernier voyage en hollandais. Et donc, c'était vraiment le dernier voyage pour ces gens-là. Il a débarrassé la ville de toute cette racaille. Ils se sont tués eux-mêmes. C'est-à-dire, il y avait le bateau, il leur disait, vous voulez du crack À, à pleine caisse, voilà du crack. Servez-vous. C'est no man's land. Les flics ne montent pas sur ce bateau, rien. Mais tu sors, tu descends pas du bateau. Interdiction, tu es sur le bateau, tu meurs là-bas. Et on leur donnait ah, ils, de l'alcool, la, vous voulez de l'alcool ? Allez-y, allez, allez tuez-vous, le plus vite sera le mieux. Et, et moi, j'habitais à côté, j'habitais. Alors, la maison, j'avais un appartement, il y avait une terrasse, et pendant que je prenais mon petit déj ou que je mangeais, je voyais des cadavres passer. Parce que les mecs, quand ils étaient complètement bourrés, pleins de craques et tout, ils tombaient du bateau. Et les pompiers, ils en avaient marre. Ils les laissaient. Ils les, a... ils les... les pompiers, ils laissaient les, les cadavres arriver jusqu'à la mer. Ils ne voulaient plus les ramasser. Tellement c'était dégueulasse. Vous en voulez beaucoup à notre ministre actuel de la Justice, le garde des Sceaux donc, euh... Beaucoup, pas assez même. Monsieur Dupont moretti Mais pourquoi C'est un monstre, ce mec. C'est un véritable monstre. Comme je l'ai dé... déjà dit, c'est un gros porc. Alors qu'il me fasse un procès. C'est euh... votre ancien avocat oui, oh, ça a été mon avocat, oui, mon avocat de malheur. Il m'a fait prendre le double de ce que j'aurais dû prendre. Intentionnellement, parce que j'ai refusé de lui fournir de la coque là-bas. Intentionnellement, il s'est vengé. Même le, même le procureur, on m'a dit, le procureur, il s'appelait monsieur Le Signe. C'était le procureur d'outreau, qui était outré. <laughs> procureur outré à outreau, outré du comportement du Pont Moretti. Et il est venu me voir pendant le délibéré. Il m'a dit, ah, il vous a saboté. J'ai dit, oui, j'ai vu ça, j'ai entendu. Euh, le, le président, il va vous donner le double de la peine. C'est ce qui est arrivé. Il me dit, ça, vous, vous, vous aurez à remercier du moretti ai dit, ouais. bah, Je dis, ouais, je l'ai remercié en l'insultant, bien sûr. Et lui, me dit, mais comment euh, Tu avec son air euh, d'ours mal léché. Oui, mais euh, vous avez pris le double, vous devriez être content. C'est du bénéfice. Je dis, on n'est pas en train de faire des affaires, là. Mais... Hein? d'accord C'est ma liberté, là. C'est ma liberté. Vous parlez de ma liberté. Voilà. C'est comme ça que c'était ça, son engagement. Il être content. Ben, moi, j'en connais à Fleury-Mérogis qui sont encore là-bas, peut-être, et qui sont pas contents de, de, sa, de ses prestations. Et comme je l'ai dit, moi, je ne l'appelle pas « acquittateur », je l'appelle « aggravateur ». C'est tout. Et lui, quand il réussit une belle affaire, bon, si on peut appeler l'affaire « outre une belle affaire », parce qu'il a fait sortir des avec d'autres avocats, il a fait sortir des gros pédophiles qui d'ailleurs sont en prison maintenant. Ils ont récidivé. Il les a fait passer pour des enfants de cœur. D'accord C'est bien, c'est il a gagné beaucoup d'argent. Mais ces enfants de cœur maintenant, ils sont pour la plupart en prison, ils ont été arrêtés pour pédophilie. D'accord Et donc c'est c'est ce que je lui reproche, lui, c'était l'argent, l'argent, l'argent et c'est tout. L'argent n'a pas d'odeur. Moi, je suis désolé. Je serai avocat, je refuse de, de plaider pour un pédophile, je suis désolé. Ça, tout, 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 même pour les drogues, je, je fais, mais, je, mais pas un pédophile. Ah non, 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 un pédophile, il mérite d'être en prison, il ne mérite pas d'être défendu, il n'y a aucune défense. Des gens qui touchent aux petits-enfants, je suis pas d'accord là. Merci beaucoup, merci à vous Gérard Fauré. On a pu évoquer longuement votre parcours. J'aurais aimé parler un petit peu de, de l'Ukraine et de Poutine, on a dix minutes là. On a cinq minutes. Allez cinq minutes. Allez. Alors je voulais dire qu'il y a quand même pas mal de Français qui pleurent pour l'Ukraine et tout. Moi, c'est révoltant. Je connais bien les Ukrainiens, je connais bien l'Ukraine. Franchement, c'est... Dit... Quel est votre lien avec la Russie ou l'Ukraine Alors, Alors, avant, j'avais en une entreprise dans le bâtiment. Maintenant, c'est fini. Et j'avais un associé, un Argentin, très gentil d'ailleurs. Et on avait besoin d'ouvriers. Alors, évidemment, les Ukrainiens étaient là pour pas cher et de très bons ouvriers. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais j'ai jamais vu des gens aussi racistes et crois-moi, j'en ai connu plein qu'un Ukrainien. Ils crachent sur les Noirs, ils crachent sur les Arabes, alors que chez eux, ils n'en ont pas. J'ai dit, vous venez cracher sur, 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 en France sur nos, nos, nos étrangers. Je dis, mais c'est quoi là Oui, on n'aime pas, mais allez allez, ne pas aimer dans votre pays, qu'est-ce que vous venez nous faire chier ici Après... Alors, moi j'en avais deux qui travaillaient chez moi, particulièrement dans ma ferme. Et euh, il fallait pas leur parler. Hein. S'ils faisaient une erreur, il fallait pas leur dire. Ils, tout de suite, ils prenaient la hache, ils te regardaient comme ça, et puis ils chantaient l'hymne national ukrainien. Alors, un jour, je dis bah, ils me l'ont fait une fois, mais pas deux. La, la deuxième fois, j'ai pris un fusil de chasse. J'ai un permis de, 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 de chasse, donc je prends un bon 16 mm. Ça tue les sangliers. Hein. Je le prends comme ça. Alors lui, chante l'hymne national hein, en me regardant comme ça. Il... Je dis, ça rime à quoi, ça Et moi, je vais prendre ça et je chante la Marseillaise. Je dis, vas-y, maintenant. Tu dis quoi, là Vas-y, chante ton hymne national, connard. Et on va voir ce qui va se passer. Oh, bon, c'est bon, il jette la pioche, c'est bon. Je dis, maintenant, tu dégages, allez. Alors, on a eu plein de problèmes avec ces gens-là. Et moi, j'ai connu deux Ukrainiens qui étaient de classe, qui ont quitté l'Ukraine la, la, parce que ils disent que c'est une mafia, tout le pays est une mafia. Le président Zelensky est le plus grand mafieux d'Europe. Alors, ce que les Ukrainiens font en Europe, c'est pas permis. Les petits enfants à l'adrénochrome, les, les drogues méchantes comme les méthamphétamines, les armes, les cigarettes de mer, ils empoisonnent toute l'Europe avec tout, juste pour prendre de la thune. Donc moi, je ne peux pas aimer des gens comme ça. Je suis désolé. Avant, j'aurais peut-être euh, discuté avec eux, fait des affaires, mais aujourd'hui, non, ça me révolte. Surtout que euh, les petits-enfants, on vend leurs euh, leur, euh, organes à, aux Saoudiens, à tous ces gens-là. C'est l'Ukraine. 10% des enfants kidnappés en Europe, c'est l'Ukraine. Tu vois Et c'est des Ukrainiens eux-mêmes qui me l'ont dit, des ouvriers qui ont dit oh, on a quitté parce que c'est pas possible de vivre là-bas, on est raquettés. Bah, quand tu vois la tête du maire de Kiev, là, le champion de boxe, maire de Kiev, la capitale, tu vois sa tronche et son frère, c'est des voyous, ça, c'est pas, pas des élites. Et quand tu vois Zelensky, la danseuse, là, qui danse avec des, des talons et tout, moi je, moi, je suis pour Poutine à un milliard pour cent. Poutine, pour moi, c'est un type bien. Il a supporté qu'on tue des Russes, pendant très longtemps. Moi, j'ai fait pas mal d'émissions avec Spoutnik. Et je déplore le fait que Spoutnik soit censuré aujourd'hui. C'est est honteux. C'est honteux, ce, qu ce qui se passe en France. Je déplore aussi le fait que Macron, euh, il envoie des millions, il envoie des armes, et tout. Et, et l'autre Bruno Le Maire qui dit, on va assécher l'économie russe. Mais tu te prends pour qui, pof, con la, la, la Russie, elle est 18 fois plus grande que la France. Ils ont du pétrole, du gaz, du blé, de tout. Toi, tu vas assécher. Toi, t'es qui avec ta petite France, arrête tes conneries, arrête, arrête de péter plus haut que t'en as le cul, connard. C'est Bruno Le Maire, qu'est-ce que c'est que ces gens-là Alors, quand tu vois ce qui se passe. Non, euh, être du côté de l'Ukraine aujourd'hui, c'est des gens qui sont là, ils ont tout faux. En plus, il y a des, des femmes ukrainiennes qui ont été hébergées dans des familles, elles ont pris la, le mec, elles ont viré la femme de, du mec et tout, il y a des, des femmes qui s'installent. Au détriment des autres, des Françaises qui ont accueilli gentiment euh, les Ukrainiennes et les Ukrainiens. C'est des gens, il faut pas. Ils te squattent. Ils rentrent chez toi. Après euh, deux mois ou trois mois plus tard, ils te jettent de chez eux. Ils te jettent de. Voilà. C'est dégueulasse. Alors Poutine, lui, il a supporté. On a tué quand même euh, 15 000 russophones. Il a supporté un moment. Euh, les Américains s'installent gentiment, on entraîne les soldats ukrainiens et tout. Pourquoi Pour attaquer la Russie. C'est pas bien. Il fallait laisser une zone, une zone de no-man's land. Voilà, pas de, pas de militaire, rien. C'était l'Ukraine. Poutine, il a raison à 100% et, il a, et je trouve qu'il fait pas assez. C'est méchant, ce que je dis, peut-être. Mais euh, pour moi, quand j'écrase un scorpion, je trouve pas que j'ai été méchant. Très bien, Gérard Fauré. Merci. On a pu évoquer longuement votre parcours mouvementé, Jacques oui. Chirac, Johnny Hallyday, les évasions, la drogue, la prison, les barbouzeries. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre site livrenoir.fr avec un abonnement. Vous y trouverez des contenus exclusifs. Encore un grand merci à vous, Gérard Forry. D'avoir Il a pas toi, un plaisir. C'est toujours très un plaisir. Très bonne, très bonne soirée. Eh <laughs> euh, ben merci.